la famille Unboxing. Aujourd'hui, on reçoit la Woodbox, les amis. Je me suis fait spoiler. J'ai vu le contenu de la box. Voilà. Mais c'est un contenu vraiment exceptionnel. Moi, je trouve que c'est une bonne Woodbox. Il y a des avis très négatifs, mais je trouve que c'est vraiment une belle box. Je vais la s'ouvrir parce que moi, j'ai déjà tout vu. Unboxing. Donc, ça, c'est de la pomme. Oh, ça oh, il a reconnu, c'est le champion de Mario. Oui. Comment ça s'appelle le champion de Mario? Todd? Non, c'est pas Todd le champion. Todd, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, j'adore les pings. Toi, chaque fois, tu débordes le pings en premier. Alors, on a eu un champignon de Mario. On a eu. Alors, c'est quoi ça? Mato, tu t'es un box ou pas? Bah, ouais. Mato, il est content. Il y a eu un champion, il est content. Et t'as vu comme c'est mou? Tu vois? Ça, c'est mou. Alors, en fait, c'est une base pour faire ça. Papa, toujours, t'arrives à les ouvrir. On sait les pings, c'est trop bien. Alors le pin c'est vraiment joli pour une fois. C'est une palette. Eh c'est un zombie. C'est un zombie. Alors c'est la manette la Super NES. Je crois. Vas-y hein. Ouais. Alors ça c'est une console. Oui c'est ma chérie. C'est une Game Boy. Avant on jouait sur une Game Boy. Ah c'est Mario. Ah oui c'est Mario. Tiens, alors on va l'ouvrir. Papa c'est un jeu de Mario. Non plus Mario. Mais non mais c'est une fausse Game Boy mon photon. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu vidéo. Il est triste, Mato il est triste. Tu veux une console toi? Non en fait je crois que c'est une tirelire les amis. Faut mettre vos sous. Voilà t'as plein de pièces toi. Ouais. Tu vas mettre tes pièces là-dedans. Regarde. C'est bon. Bien sûr, regardez le t-shirt. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, Mato, t'es content de ton t-shirt de Minecraft. Oh les bonnes factures c'est un. Ah non c'est en plastique. Non c'est en métal. Alors en métal là. Alors ça, attends. Ah oui mais ça en fait quand tu bouges ça, ça fait avancer le petit Mario. C'est trop bien. Alors du coup c'est vraiment une belle, un beau objet, je pense que c'est le plus beau objet de la box. Attends, on va faire. Non mais ça marche pas, c'est non. Ah non, dommage qu'ils auraient pu mettre des boutons qui fonctionnent. Donc c'est une tirelire, on met les pièces ici. Alors ça c'est quoi ça? C'est nos figurines que j'aime pas trop mais je trouve que elles sont vraiment jolies. Alors nous on a eu celui-là. Je peux le casser. Alors c'est qui lui? C'est Saya. Sagittarius Seiya. Mathieu, calme-toi pour moi. Alors c'est parti, on unbox. Il y a une cochon, il est. Ah non, faut la monter. Oh, il a les ailes et tout. Bon, on va construire ça dessus. Alors ça à construire par contre, c'est dommage. Ouais, bon, en général, elles sont de bonnes factures, là, elles sont vraiment belles. C'est trop choupinière. Vous savez que c'est la dernière Woodbox avant que le bébé arrive. La dernière, pourquoi ça approche là. Mais et du coup le concours il approche aussi la fin. Ça attendez les amis, je vais montrer mon t-shirt. Montre ton t-shirt, mais je crois qu'ils l'ont déjà vu dans une vidéo Mathéo. Wouhou. Ah oui. Oh mon champignon. Non, vous êtes mignon. Il est vraiment sympathique ce personnage. Alors mais attendez, c'est pas fini les amis. C'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est qui lui? Quoi? Alors le pins, Mathéo tu l'as vu le pins? Lola l'a démontré. Et on a un t-shirt. On a un t-shirt. Oh Mathéo! Ah Mathéo, il fait semblant de jouer à la console, Mathéo. Ah j'ai toujours pas changé la. Parce que moi je prends du M mais E, M c'est vraiment trop grand. Faut que je prenne S chez eux. Mais à chaque fois j'oublie de le changer. Oh il est beau! Papa! Il est beau! Regardez! Ah bah tu mettras tes crash ma chère. Oh mais je suis tombé à ce. Donc c'est Crash! C'est Crash Bandicoot! Alors c'est pas un t-shirt officiel, c'est un t-shirt exclusif à la Woodbox à mon avis. Parce que c'est toujours les t-shirts comme ça. Vous savez. Mais c'est exclusif à la Woodbox, ils ont réussi à mettre ici un focage aussi. Alors c'est sympa quand même, franchement il est beau. J'aime pas trop mais il est beau. Moi je vois la console, les amis. Oh mais regardez la boîte. Regardez, je crois qu'on peut la faire en console la boîte. Alors si on la met à l'envers, on va essayer de faire ça tout de suite. On fait ça en direct live. Tac 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 tac. Tu fais ça comme ça, tac, tac, tac. Et ça te fait une nouvelle boîte pour ranger les trucs, Mathieu. C'est complexe, hein. C'est la première fois que je fais ça. Ça marche pas trop sur le côté. Je pense qu'on s'est grompé de ce côté. Non, je veux laisser ce côté ouvert. Ah, tu veux laisser ce côté ouvert? Ouais, comme ça fera un garage. D'accord, Mathieu. Ça fera un garage si ce côté laisse ouvert. Tu peux me le donner, ça sera mon garage soit. Bon, j'ai pas trop réussi, Mathieu. Pas trop réussi à la construire, mais bon, ça fait une console en fait. Ouais, donc, les amis, le petit livret. Au revoir les poils au cul. Alors, attends, c'est parti. Donc, ça, c'est les 8 heures.
Alors passe les goûters, c'est pour les Nickelken. On l'a déjà vu celle-là, oui. On dit tout le temps qu'on va faire une photo, mais on n'a jamais le temps. Vous êtes habitués maintenant aussi. Donc là, on connaît personne. Alors, le t-shirt, Bookbox lance le t-shirt. Ah oui. Ah oui, alors, en fait, ils vous offrent un t-shirt pour 10 euros par mois en plus. Ils vous mettent un t-shirt aléatoire. Papa, tu savais pas où le bouger. Je crois que c'est un t-shirt aléatoire. Papa, tu savais pas où le bouger. Bon, ouais, ma chérie. Alors, ça, c'est la Nega Retro. Ok. Alors, la Game Boy coûte 12 euros, c'est pas très cher. Parce qu'elle est en bonne facture. 12 euros. En plus, c'est officiel Nintendo. Oui, vas-y, Mathéo. On a perdu Mathéo. Du coup, c'est Nintendo qui fait ça et ça vaut 12 euros. Bon, c'est vraiment pas cher. Franchement, j'aime bien. Donc, les t-shirts, 20 euros. Bon, ben, partez. D'accord, Michel, je finis la vidéo. Donc du coup ça fait un t-shirt à 20 euros, c'est un petit peu cher le t-shirt parce que c'est pas de un ouf. C'est pas un officiel, c'est juste un exclusif. Du coup ça fait cher le t-shirt 20 euros quand même. Je trouve que ça abuse un petit peu. Alors nous, mais on peut avoir un, on peut en avoir 3. Donc ça vaut 10 euros quand même. C'est un petit peu abusé, 10 euros ça, enfin,